Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Meredith se livre consacré une nouvelle fois à un grand roman de la littérature américaine. Alors, plusieurs questions. La qualité de l'écriture dans un livre est-elle gage de pérennité et de succès? Le style est-il quelque chose d'absolument nécessaire à l'accession d'un roman au panthéon de la littérature? Deuxième question. Le succès d'un livre réside-t-il dans la qualité de son intrigue, dans la maestria mise en place sur l'action, sur la tenue en haleine du lecteur du début à la fin? Autant de questions que nous allons essayer d'appliquer à The Catcher in the Rye de G.D. Salinger, donc l'attrape-cœur de Jérôme Salinger. Générique. Voilà, ce sont des questions qu'on se pose très naturellement, c'est-à-dire que l'attrape-cœur, c'est un classique, hein, un classique de la littérature américaine, un classique de la littérature anglo-saxonne au sens large, un classique tout court, mais force est de constater que son style est absolument épouvantable, qu'il a sans doute très mal vieilli parce que c'est un parler Jones des années 50, donc il est rempli d'anacolutes, la syntaxe est totalement décousue, le vocabulaire, le lexique est assez pauvre, faisons abstraction de ce style épouvantable. Il reste quoi de l'attrape-cœur? Une action absolument géniale à la Indiana Jones ou à la 24 heures, point du tout. Il ne se passe rien si ce n'est une pérégrination new-yorkaise d'un ado paumé de bientôt 17 ans. Pas d'intrigue, il n'y a rien à découvrir, il ne se passe rien. Pas d'action, pas de style, so what? Comment un bouquin plein de rien peut-il faire partie de la littérature mondiale et du top 20 de la littérature mondiale, si j'en crois les derniers chiffres? Plusieurs thèmes abordés dans ce livre, des thèmes qui, sous des dehors, légers, non construits, sont pourtant des thématiques extrêmement intéressantes qui touchent à la philosophie, à l'ontologie et à la réflexion sur le monde. Donc je ne sais pas si tu l'as lu il y a longtemps, je ne sais pas si tes souvenirs sont frais ou pas, quoi qu'il en soit, on va faire un mini résumé, étant donné que le livre est déjà pas très long et qu'il ne se passe pas grand chose, ça ira très vite. Donc, Alden Caulfield, 16 ans, bientôt 17 comme je viens de le dire, vient d'être renvoyé de l'institution privée de la banlieue new-yorkaise dans laquelle ses parents l'ont inscrit. Et nous sommes à 3 jours de Noël et il n'a pas du tout envie d'essuyer les foudres bien naturelles de ses parents concernant cet énième renvoi. Et donc, au lieu de rentrer chez lui, il décide de prendre le bus et de fuguer à New York. Alors là, forcément, il va essayer plein de trucs d'adultes. Il va courir les nightclubs, il va essayer de se murger, il va essayer, comme il le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, essayer d'appeler une copine à lui, qu'il aime beaucoup, pour essayer de la convaincre de fuir avec lui ce monde abominable auquel ils sont voués. Elle refuse. Pour elle, ce monde n'est pas si abominable que ça. Il va inviter une prostituée, il va rien se passer avec cette prostituée parce que, comme il le dit lui-même, il va choper le cafard au moment où elle se déshabille et qu'il va vouloir ranger sa robe et qu'il va se rendre compte de l'horreur du destin de cette pauvre minette.
Voilà, se dire si être adulte et s'affranchir des parents, tout ça, ben c'est ça, ben c'est pas cool. Donc voilà, en désespoir de cause, nuitamment et en catimini, il va rejoindre le domicile parental, non pas pour se rendre, entre guillemets, mais pour aller se réfugier auprès de Phoebe, sa petite sœur avec laquelle il entretient une relation très particulière. Et si c'est un ado un peu blasé et un peu ouais, revenu de tout, avec sa sœur, il est toujours extrêmement sincère, extrêmement vrai. Et donc, ils vont discuter, 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 et il va lui annoncer qu'il veut tout plaquer et partir vivre sa vie de manière libre et marginale. Qu'à cela ne tienne, Phoebe lui dit qu'elle prépare sa valise et qu'elle vient avec lui. Et pris de remords parce qu'il ne veut pas que sa petite sœur gâche sa vie, il va donc renoncer à sa fuite. Et la fin va nous montrer un Holden dans une chambre, dans une institution qui est supposée l'aider à se réparer, à se reposer, à se reconstruire avant de reprendre le collège. On comprend très vite qu'il s'agit d'un hôpital psychiatrique. Et c'est depuis ce lieu qu'il nous livre ce monologue à la première personne, donc extrêmement concernant, parfois un peu décousu, parfois très profond et philosophique, parfois complètement ubuesque, et donc la boucle sera bouclée puisque on va le quitter dans cet hôpital. Et donc quoi? L'histoire d'un gamin névrosé qui veut pas vivre la vie d'adulte parce que ça lui fait peur, ça fait un succès mondial. Eh ben oui. Alors on va voir pourquoi, notamment. Et on va voir pourquoi. Alors, j'ai passé certains épisodes comme la rencontre avec son prof, comme la visite au muséum, etc. J'ai essayé de recentrer sur l'essentiel pour surtout nous consacrer à l'analyse. Analyse donc. L'Attrape-cœur, c'est un roman très ancré dans une époque. On a dit que l'argot avec lequel s'exprimait Holden était un peu vieilli. C'est aussi un marqueur sociologique des années 50, ces années post-Deuxième Guerre mondiale, où on a une société américaine qui est très paradoxal. Dans un sens, ils ont gagné la guerre, hein, donc ce sont les maîtres du monde, donc ils s'imposent comme tels, ils veulent jouir de cette puissance et de cette liberté, notamment à travers une société de consommation, de plaisir, de sortie totalement débridée. Et en même temps, on a des mœurs qui restent assez austères, des mœurs qui sont prudes, pour ne pas dire pudibondes. Et c'est dans cette société très hypocrite, c'est un des mots qui revient le plus souvent dans la prose de Holden et de Salinger, donc, cette Amérique, elle apparaît comme parfois un peu décevante dans la mesure où, ils sont les sauveurs du monde, mais en même temps, ce sont des frileux et des hypocrites. Donc, ce point de vue-là, c'est le point de vue notamment de Salinger. Et il faut dire que Salinger, il est sacrément déçu par cette Amérique qui est la sienne, puisque il fait partie de la bonne société, hein. Ses parents font partie de cette intelligentsia new-yorkaise qui habite l'Upper East Side et comme Holden, hein, va dans des institutions privées, est voué à des hautes études dans des grandes universités payantes et dont la notoriété n'est plus à faire. Ses parents ont une bonne position sociale et lui ne rêve que de devenir auteur. Donc il écrit beaucoup des nouvelles, notamment qu'il envoie beaucoup aux journaux new-yorkais. Et
alors que la guerre éclate, il est mobilisé et en tant que Jihai, il va participer au débarquement de Utah Beach en Normandie, mais aussi à la bataille des Ardennes, qui a été une des boucheries les plus horribles de la Seconde Guerre mondiale. Et il va être parmi les premiers bataillons aussi à libérer les camps, puisqu'il va être aux premières loges pour libérer les prisonniers d'un camp annexe de Dachau en Allemagne. Donc voilà, il va prendre, lui, le petit New-Yorkais bourgeois très préservé qui vit dans son cocon doré, va se prendre full face les horreurs de la guerre, les horreurs des camps, l'horreur humaine poussée à son acmé. Et donc, il va très vite se réfugier dans son imaginaire, puisque sous notamment l'égide de Hemingway qu'il va rencontrer en Europe, il va être encouragé à écrire de nouveau, puisqu'on lui reconnaît une certaine patte. Mais très vite, Salinger va éprouver un malaise face à son succès. Notamment, il va avoir un prix pour une de ses nouvelles qui s'appelle Perfect Day for a Banana Fish, donc un jour parfait pour le poisson banane, qui est très... comment dire avant-gardiste, surréaliste, bref. Il va écrire beaucoup, beaucoup de nouvelles, hein, dont une célèbre qui s'appelle Sifragnan Zoé, mais un seul roman qui est The Catcher in the Rye, donc L'attrape-cœur. Et donc, il va connaître un succès fulgurant, controversé aussi, et puis finalement, il va être en rupture avec ce monde dans lequel il ne se reconnaît pas. Je pense qu'il aura subi un stress post-traumatique comme beaucoup de survivants soldats. Et donc, il va se retirer du monde. Il va se cloîtrer avec des clôtures de 3 mètres de haut. Et jusqu'à 2010, jusqu'à sa mort, il ne sera plus jamais publié. Il va continuer à écrire de son propre aveu. Il va écrire pour son plaisir, mais pas pour la postérité. Et il va aussi refuser systématiquement toutes les demandes faites par les journalistes d'entretien ou interview jusqu'à sa mort en 2010. Donc ça, c'était pour le côté un peu biographique, mais qui n'est pas superfétatoire dans la mesure où on va le voir, il éclaire beaucoup le personnage d'Holden et de manière encore plus large le roman en lui-même. Alors ce môme, le môme Holden, comme même Caulfield, a quelque chose d'immoral dans cette Amérique puritaine. C'est-à-dire, c'est un homme qui a envie de vivre, quoi. Il a envie de voir des filles, il a envie de boire, de fumer, et en même temps, est-ce qu'il en a vraiment envie ou c'est ce qu'on attend d'un ado? Parce que ce môme de 17 ans, il a l'air blasé, sans émotion, ou du moins sans émotion positive. Bah, vous allez me dire, c'est un ado, hein, c'est normal. Il est reclus dans une espèce de carapace. Alors, une carapace, il joue un rôle, hein, comme tous les ados. Il joue un rôle, et ce qui est très drôle, c'est que il traite les autres d'hypocrites. Alors, ça, c'est clairement ce qu'on appelle de l'ironie en littérature. Puisque lui se pose comme quelqu'un qui est réfractaire, qui n'aime pas les gens par défaut, qui est rebuté par tout ce qui est offert par le monde. Nous, lecteurs, on sait par ses déclarations que c'est quelqu'un de très humain, de très attentif aux autres, qui s'émerveille assez facilement des petites choses que lui considère comme étant importantes. Et donc, c'est cette dichotomie, cet écart entre ce que le personnage sait de lui-même et ce que le lecteur sait du personnage qui crée cette ironie. Et donc il a beau avoir l'air blasé, en fait, il est dans l'émerveillement systématique. Il a beau avoir l'air misanthrope, c'est un humaniste. Et donc
Ce môme-là est extrêmement intéressant. Cette carapace, on voit qu'elle se fissure notamment avec sa petite sœur Phoebe, puisque rejoignant ainsi le monde de l'enfance, il laisse tomber le masque et il peut être vrai. Il peut oser dire des choses que les adultes ne comprennent pas ou ne comprennent plus, alors que sa petite sœur, elle, est sur la même longueur d'onde. Plus dramatique aussi, ces monologues un peu étranges qu'il a. Et en fait, on sait qu'il s'adresse à son frère Ali, frère qui est mort d'une leucémie alors que Holden avait 13 ans. Et on sent que le deuil n'a pas pu être fait et que le lien n'a jamais été rompu entre Holden et Ali. Et alors, le drame, justement, c'est que Holden sait que grandir est inévitable. On ne peut pas y échapper. C'est le destin, à moins d'eux, mais voilà. Mais aussi, c'est insupportable, cette idée. Donc, la dépression va le gagner, puisqu'il sait qu'il est obligé de faire quelque chose qu'il répugne absolument. Une espèce de syndrome de Peter Pan avant l'heure. D'ailleurs, j'ai parlé très vite en introduction tout à l'heure de la scène du muséum. La scène du muséum est intéressante parce que le muséum d'histoire naturelle de New York, c'est vraiment un lieu de l'enfance puisque toutes les écoles et toutes les classes, quel que soit le niveau, vont faire au moins une fois dans l'année une visite au muséum. Et donc, c'est une espèce de cocon, de matrice idéale, puisque dans le muséum, rien ne change jamais. Et du propre aveu de Holden, c'est un endroit merveilleux parce que tout est à sa place, tout est rassurant, rien ne change, rien ne bouge, hormis le visiteur qui lui grandit. Et donc, ce muséum, c'est une espèce de lieu refuge et en même temps un lieu de déprime parce que on n'y entre ni tout à fait le même ni tout à fait un autre à chaque fois qu'on y fait une visite. De même, la scène sur le manège où il amène Phoebe au carrousel, il refuse parce qu'il se sait trop grand, il refuse d'accompagner sa sœur et de se mêler aux enfants sur le manège, mais il refuse aussi de se mettre dans la position de l'adulte qui regarde, qui surveille les enfants sur le carrousel. Donc il va se mettre dans un hors-lieu qui n'est ni celui de l'enfance ni celui de l'adulte, et la pluie va lui tomber dessus. Et donc il n'est ni adulte ni enfant, il se refuse d'être et l'un et l'autre finalement, et il va être dans ce lieu où il va soit être lavé par la pluie, soit être gorgé de ce côté maussade des ciels gris, soit il va être occulté, flouté par ce rideau de pluie qui fait qu'il n'est net ni pour un monde ni pour l'autre. Enfin voilà, c'est selon. Donc ça, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture de Salinger notamment, c'est qu'on a, je vous l'ai dit, un lexique très simple, des situations très simples aussi, mais justement cette simplicité permet une dimension symbolique, une lecture métaphorique et une lecture voire psychanalytique, puisque chacun, on y met ce qu'on veut à l'intérieur. Et donc, à ce propos, si on parle un peu psycha, il y a une question qui obsède Holden, c'est où vont les canards du lac de Central Park quand le lac est gelé? Et alors, ça a l'air anodin comme ça, même ça peut nous saouler un peu à la lecture, parce qu'il n'arrête pas de se poser cette question des canards. Et on verra en conclusion justement l'intérêt qu'il y a là-dedans, c'est que plusieurs psychiatres se sont penchés sur cet épisode-là, puisqu'il est extrêmement intrigant. Il y revient de manière systématique. Et alors, ce lac, pour le canard, c'est quoi? C'est son habitat, c'est son cocon, c'est là où il y a à manger, c'est là où il a ses petits refuges, c'est là où il a sa famille, ses amis. Et d'un coup, une fois par an, ce lac devient hostile. Il se couvre de glace, il n'y a plus à manger, il n'y a plus de quoi se cacher. Et on est obligé de fuir. Alors biologiquement, pour un canard, ça s'appelle pas une fuite, ça s'appelle une migration, et c'est programmé génétiquement en lui. Et ça fait partie de son cycle de vie. Pour Holden, ça lui rappelle des choses,
Alors peut-être qu'il est dans le déni et qu'il ne fait que se poser la question pour ne pas avoir les réponses, mais c'est aussi ben, Ali qui vivait, son petit frère qui vivait dans son cocon confortable avec sa famille et qui est parti pour un grand voyage inconnu. Où il est allé, Ali? Comme les canards, on ne sait pas. Holden ne le sait pas. Est-ce qu'il reviendra un jour? C'est comme ses camarades Salinger qui sont tombés au front dans les barques de Utah Beach, dans la bataille des Ardennes. Ce stress post-traumatique, on y est allé, certains sont revenus, mais ils sont revenus différents, certains ne sont pas revenus. Et pour Holden, c'est aussi, ben, moi j'étais dans mon enfance très bien au chaud dans mon cocon, j'avais mes petits coins pour me cacher, mes copains, ma famille. Et puis d'un coup, cet endroit est devenu hostile et je suis obligée de fuir. Je suis obligée de fuir, une fuite en avant vers ce qu'on appelle l'âge adulte. Et je ne sais pas si je vais en revenir. Et voilà. Et donc, cette question obsédante que Charles Moron appellerait les métaphores obsédantes qui ramènent vers l'inconscient du texte, hein, c'est un critique que j'aime beaucoup, un auteur de psychocritique qui dit que les écrits des auteurs ne sont jamais totalement innocents et qu'ils disent forcément quelque chose d'eux. Est-ce que c'est pas aussi, voilà, régler ce que dans les années 50 on ignorait proprement, à savoir le stress post-traumatique d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale, ou ce qu'on ignorait aussi, c'est-à-dire l'accompagnement d'un enfant face au deuil de son frère. Et donc Holden, il n'a pas fait le deuil. Salinger n'a pas réglé son stress. Et donc on se demande si on revient un jour. Est-ce qu'on devient après ce voyage de la vie comme les canards qui ne reviennent pas ou qui reviennent sur le lac de Central Park? Donc, d'ailleurs, les canards, c'est hyper intéressant hein, parce que ce sont des animaux qui sont à la fois très dociles et à la fois sauvages, propres de l'adolescent aussi. Et donc, on voit qu'il y a une dimension extrêmement psychanalytique ou psychique en tout cas dans l'attrape-cœur puisqu'on est sur un entre-deux permanent hein, tel que l'est l'adolescent. Et donc ce livre finalement, ben, est-ce que c'est pas finalement un entretien avec son psychiatre puisqu'on sait que ben, il est fait a posteriori depuis l'hôpital psychiatrique. Est-ce que cette pérégrination, cette errance new-yorkaise, elle a vraiment existé ou est-ce qu'elle a existé que dans sa tête? Est-ce que ce récit, il le fait très longtemps après ou est-ce qu'il est en train de le faire là avec son psy? C'est des choses auxquelles on ne peut pas répondre, mais on a l'impression que dans cet hôpital, il est sur le lac gelé et qu'il n'a plus qu'une fuite possible devant lui. Alors, est-ce que c'est la fuite névrotique? Est-ce que c'est une chronique d'un suicide annoncé? Ça nous rappelle aussi un peu cette fin énigmatique du Petit Prince, notamment, ou de Alice derrière le miroir. Ainsi donc, voilà, il y a plein de choses dans ce roman qui a tous les attributs d'un roman d'apprentissage, mais finalement, il n'apprend rien du tout, Holden. Hein, c'est un retour au même, hein, c'est une révolution qu'il nous fait. C'est-à-dire, il part d'une institution et d'un cocon pour revenir dans cette institution et ce cocon, et finalement n'avoir que une alternative face au destin qui lui est, qui est prévu pour lui, c'est-à-dire soit il fait ce qu'on lui demande et il rentre dans le rang, soit il fuit. Et soit il fuit physiquement, soit il fuit psychiquement, soit... Donc, The Catcher in the Rye est à la fois censuré jusque dans les années 80 parce que justement les ligues puritaines voient dans le style quelque chose de répréhensible, mais aussi sur le personnage d'Holden qui est considéré comme un être immoral qui pourrait inspirer négativement d'autres adolescents. Mais il est aussi un roman encensé, on le lit énormément à travers toute la planète, et même si l'argot a un peu vieilli, le message lui-même est toujours un message extrêmement entendu et on peut le voir comme on a dit de manière à ce que ce soit aussi un instantané de cette Amérique des années 50,
un autre volet de cette Amérique des années 50 qu'on avait pu voir notamment dans une précédente capsule avec To Kill a Mockingbird. Donc, on ne tirait pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Donc, vous voyez, cette Amérique a commencé à se dessiner un peu plus précisément pour toi, comme pour moi. Alors, vient le moment de mon point de vue, mon analyse à moi. Alors, pour moi, ce personnage de Holden Caulfield, il est magique, véritablement. Il fait partie de ces personnages comme Forrest Gump, comme le héros de Sur la route de Kerouac, comme le héros de Into the Wild, peut-être même aussi d'une certaine manière comme le héros de American Psycho, Bateman, puisque ce sont des êtres inadaptés. Alors oui, moi j'aime les êtres inadaptés, tu le sais. Donc, qui sont des êtres auxquels on veut faire accroire un bonheur social, on veut leur faire croire que avoir, posséder, être au monde, se divertir, jouir des choses que la société met en place et qu'elle nous dit être bonne pour nous, est la solution, apporte le bonheur, mais quelque part, ces êtres inadaptés nous montrent que ben, finalement, le bonheur, il n'est pas là, le bonheur, pardon, il peut être ailleurs. Alors, bon, on va pas suivre American Psycho, hein, parce que le bonheur est un peu sanglant chez lui. Chez Forrest Gump, c'est pareil, puisqu'on est sur du retard mental, hein, mais on reste sur cette idée d'un personnage prisonnier de l'enfance, de l'innocence et finalement d'un certain côté très vrai de la vie, comparé à l'hypocrisie, l'artificialité induite par l'âge adulte. Donc, encore une fois, tous ces romans-là, y compris The Catcher in the Rye, sont des critiques en creux de The American Way of Life, c'est-à-dire qu'on est dans une critique, on est sur un roman de personnage, donc très centré sur un personnage lui-même, le monde semble graviter autour, et ne pas avoir de prise sur lui, et au contraire, c'est le point de vue du personnage qui nous fait nous rendre compte de ce qu'est le monde. Et ce monde, finalement, il n'est peut-être pas si paillette et glamour que ce qu'on peut vouloir nous laisser entendre. Alors, j'aime Holden parce que c'est un personnage qui vit dans le présent comme un enfant et qui a une acuité morale, non pas d'un adulte, parce qu'on a vu que c'était des êtres vils et répréhensibles, mais d'un sage. Donc il a les défauts de nos ados, hein, c'est immaturité émotionnelle, immaturité affective, pauvreté lexicale, raisonnement à l'emporte-pièce. Mais pas que, parce que c'est un personnage qui est profondément bon, c'est un humaniste dont finalement les paroles symboliques trahissent la grandeur d'âme, grandeur qu'il ignore d'ailleurs absolument, et c'est ça qui le rend tout à fait touchant. Lui, il a l'air d'être un moins que rien, enfin, il a une estime de soi proche du bulot, et c'est un grand bonhomme au final. Alors, comme Le Petit Prince, on l'a vu, comme Carrie de Stephen King, comme Alice au Pays des Merveilles, ça fait partie de ces livres qu'on peut lire à tous les âges de la vie. Alors moi, je me souviens, sous l'impulsion, je l'ai déjà dit, de Nicolas Sirkis d'Indochine, je l'ai lu quand j'étais en première, j'avais 16 ans. Et ben, autant te dire que j'ai adoré, parce que voilà, j'avais des paillettes dans les yeux en lisant ce livre. Et puis je l'ai relu. Je t'avoue que je le relis assez régulièrement et la dernière fois que je l'ai lu, c'était avec Point à la ligne et les copains du Café du Classique, un groupe super sympa sur Instagram. Et alors là, c'était très intéressant de voir que ce livre est extrêmement clivant, comme on l'a vu, il peut être encensé ou conspué. Et là, on avait une team proprement Holden et on avait une team qui aimait bien Holden, mais que le style saoulait beaucoup parce que bah, cet argot, cette syntaxe, voilà, les puristes n'aiment pas trop.
Et donc, on retrouve finalement en 2000, c'était en 2020, je crois, on retrouve en 2020 ce qui existe depuis les années 50, c'est-à-dire ce clivage. Quoi qu'il en soit, Holden, c'est vraiment un ado, on a envie de le traiter comme les nôtres, c'est-à-dire qu'on a autant envie de lui mettre une grosse baffe pour le remettre sur le droit chemin qu'envie de lui faire un gros câlin. Donc, ce personnage, quoi qu'il en soit, il est attachant. Et donc, ça fait partie, voilà, de ces livres qui nous apportent finalement un message à chaque fois qu'on les ouvre. Message différent. Alors maintenant, je le lis plus malheureusement avec les yeux énamourés que j'avais quand j'avais 16 ans. Je le lis avec un peu plus de recul et notamment en préparant cette vidéo-là, je me suis posé une question assez intéressante, enfin, mon point de vue. Finalement, est-ce que ce Holden Caulfield, ce serait pas un double narratif de Salinger, c'est-à-dire un éternel ado rebelle qui a été abîmé par la vie, qui cherche à donner du sens à cette vie et qui crache de manière brutale et sans filtre son incompréhension du monde et son mépris des préoccupations viles et frivoles et hypocrites des adultes, quoi. Donc un Salinger lui-même victime d'un syndrome de Peter Pan ou du syndrome de celui qui a vu l'horreur et qui comprend pas qu'on puisse la balayer comme ça d'un revers de main. Un Salinger qui voit de l'importance dans les canards, là où les adultes trouvent ça proprement futile, qu'est-ce qu'on s'en fout des canards, enfin, voilà. Donc un Salinger qui est déçu par les hommes, qui aime les hommes avec un grand H, qui est profondément humaniste, mais qui est déçu par les hommes avec un petit H, parce que justement il est trop humain lui-même et il trouve que ben, les hommes ne méritent pas d'être des hommes, quoi. Et alors, comme c'est un humaniste, au lieu de leur en vouloir à eux, bah, il s'est retiré d'un monde entier. Et donc, est-ce que finalement, c'est pas un témoignage de ce qu'il pense véritablement de l'humanité, et donc ce qui expliquerait qu'il n'ait plus écrit pour la postérité ensuite, et qu'il se soit lui-même caché derrière ces barricades, comme Holden va être caché dans son hôpital psychiatrique. Donc voilà, finalement, Salinger, l'auteur, c'est celui qui va réussir une fugue interminable, là où finalement Holden la rate. Ben, je ne sais pas si tu as aimé ce livre, si tu le connais, si ça t'a donné envie de le lire ou de le relire, mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment un attachement à ce roman, puisque l'apprentissage qu'il nous donne, ce n'est pas un roman d'apprentissage pour le héros, comme on l'a vu, mais c'est plutôt un roman d'apprentissage pour le lecteur. Donc, ben, il ne me reste plus qu'à offrir des fleurs pour Salinger.